Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information de l'OPS sur la pandémie par COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi, le 5 mai 2021. Je suis Sébastien Ollien du département de communication de l'OPS. Cette séance, comme toutes les semaines, durera une heure et nous allons prendre vos questions jusqu'alors. Nous avons déjà reçu des questions de votre part par le courrier électronique, mais vous pouvez également poser vos questions par le Q&A et le faire en direct. N'oubliez pas d'y apposer votre nom et les médias auxquels vous appartenez. Nous avons également l'interprétation simultanée vers l'anglais, vers le portugais, vers le français, et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez en cliquant sur le globe interprétation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, donnera des informations sur l'évolution de la COVID dans la région, également sur la situation de l'occupation des soins intensifs dans la région. Avec le docteur Carissa Etienne, nous avons le docteur Jarba Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, et le docteur Sylvain Aldighieri, directeur des incidents pour COVID-19 de l'OPS. J'invite maintenant la docteur Carissa Etienne pour commencer cette séance. Docteur Etienne, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour. Et j'aimerais vous remercier de nous rejoindre pour cette conférence de presse. La semaine dernière, plus d'1 300 000 personnes ont été infectées par la COVID sur le continent américain et plus de 36 000 personnes sont mortes de complications liées à cette pandémie. Près de 40% de toutes les morts dues au COVID au niveau mondial la semaine dernière ont malheureusement eu lieu ici dans notre région. Aujourd'hui, plus de pays d'Amérique latine, plus que 1 000 cas de COVID par jour et nos hôpitaux sont plus remplis que jamais. Nous sommes au milieu d'une crise qui, en fait, continue. Le Canada continue à signaler des augmentations significatives de ces infections dans les provinces à forte densité démographique comme l'Ontario, de même que dans les territoires moins peuplés comme le Nord et Yukon, où résident des communautés autochtones éloignées. Porto Rico et Cuba sont des pays qui aussi sont à la tête du nombre de cas COVID dans les Caraïbes, même si les infections sont aussi en augmentation dans des plus petites îles. À Anguilla, par exemple, a signalé 70% du total de ces cas de COVID juste sur les 10 derniers jours. Et à Saint-Vincent et aux Grenadines, les cas sont en augmentation chez les personnes déplacées internes suite à l'éruption récente du volcan de la Soufrière. En Amérique centrale, le Guatemala connaît aussi des sauts significatifs dans les cas, des augmentations, et le Costa Rica rapporte aussi des infections à des niveaux records. Dans les deux pays, les hôpitaux sont pleins de patients, la plupart en dessous de 70 ans. Les cas sont en augmentation rapide dans les Guyanes et en Argentine et en Colombie, où les cas hebdomadaires sont 5 fois plus importants par rapport à l'an dernier. Les hôpitaux arrivent à pleine capacité dans les villes métropolitaines de Colombie et les taux de létalité ont augmenté de plus d'un quart la semaine dernière. Malgré tout ce que nous avons appris sur ce virus depuis un an, nos efforts de contrôle ne sont plus aussi stricts et la prévention n'est pas aussi efficace qu'avant. Et nous voyons ce qui arrive quand ces mesures deviennent moins strictes. Il y a des épidémies de COVID, un nombre de cas qui augmente et nos systèmes de santé qui deviennent submergés et les gens meurent. C'est un contexte qui nous semble étrangement familier, mais
Il y a quelque chose qui a changé quand même. Ce sont les patients eux-mêmes. Pendant la plupart de la pandémie, nos hôpitaux étaient remplis surtout de patients âgés. La plupart avaient des maladies préexistantes et donc ce qui les rendait susceptibles d'avoir des manifestations sévères de la maladie. Mais ces tendances ont créé un faux sens de sécurité chez les jeunes qui, même s'ils craignaient le virus, ne se sentaient pas concernés par ces manifestations sévères de la maladie. Mais regardez maintenant les unités de réanimation d'urgence dans notre à travers notre région. Aujourd'hui, vous allez voir qu'elles sont remplies non seulement de personnes âgées, mais aussi de personnes plus jeunes, de jeunes. Ces derniers mois, les taux d'hospitalisation chez les moins de 39 ans ont augmenté de plus de 70% au Chili, au Brésil. Les plus grosses augmentations dans les hospitalisations ont été observés chez les moins de 40 ans. Dans certains secteurs des États-Unis, plus de gens qui ont la vingtaine sont maintenant hospitalisés pour la COVID-19 que des gens qui ont 70 ans. Des adultes de toutes les tranches d'âge, y compris les jeunes, deviennent sérieusement malades et une grande partie d'entre eux en meurt. Au Brésil, les taux de létalité ont doublé chez les moins de 39 ans, quadruplé chez les moins de 40 ans et triplé pour ceux qui sont pour les quinquas entre décembre 2020 et mars 2021. C'est tragique et les conséquences sont très difficiles pour nos familles, nos sociétés et notre futur. Il est grand temps d'ajuster notre réponse. Et les pays doivent se préparer à ce qui arrive. Notre région a bien travaillé et a étendu sa capacité d'accueil en hôpitaux en 2020. La Colombie, le Panama et la République dominicaine ont doublé leur capacité de lits de réanimation, tandis que le Chili, le Pérou ont triplé les leurs et le Mexique et l'Honduras ont presque quadruplé leur capacité d'accueil en un an. Ceci dit, les hôpitaux sur le continent américain continuent à être trop remplis de façon dangereuse. Avec de bons soins primaires et un traitement, les jeunes ont plus de chances de survivre à leur infection du COVID, mais leurs hospitalisations peuvent durer des semaines et les pays doivent se préparer à une augmentation brusque de la demande. Si les infections continuent à augmenter à ce taux, nous attendons qu'au cours des 3 prochains mois, des pays de notre région vont être obligés de maintenir leur capacité de lits en réanimation au même niveau ou même à l'augmenter. Les professionnels de la santé ont besoin également de soutien parce qu'ils travaillent en mode crise depuis trop longtemps. Où il y a des manques, les pays ont besoin, les manques de personnel ont besoin de recruter ou de mieux former et de former des gens plus spécialisés pour garantir que chaque patient reçoit les soins dont qu'il mérite. Mais nous ne pouvons pas non plus étendre la capacité d'accueil en réanimation de façon indéfiniment. Il n'y a pas assez de travailleurs de la santé pour recruter et pour former des professionnels. Donc, cela nous ramène au meilleur choix qui est celui qu'il nous faut nous réengager à apporter une réponse globale fondée sur la prévention et sur les soins de santé contre la COVID-19 et d'autres maladies. De même que l'an dernier, notre objectif commun devrait être de réduire la courbe, de faire baisser la courbe de cette épidémie. Nous savons ce qu'il faut faire. Maintenir la distanciation sociale, porter un masque, éviter les rassemblements dans les espaces fermés, ce sont les mesures clés pour réduire la transmission, surtout vu que les variants préoccupants circulent. Les pays doivent de nouveau donner la priorité aux tests et aux recherches de contact au niveau des soins primaires pour protéger les vies et les moyens d'existence de nos populations. Nous devons
également conseiller fortement à ceux qui sont malades de s'isoler eux-mêmes pour éviter de propager la contagion. Donner la priorité à la prévention signifie également qu'il nous faut être proactifs dans nos campagnes de communication pour rappeler les populations actives ou plus jeunes de ce risque et du besoin qu'elles se protègent, y compris en se faisant vacciner quand c'est leur tour. Mais alors que les campagnes de vaccination sont déployées aussi vite que possible, elles ne représentent pas une solution de court terme. Nous ne pouvons pas nous reposer sur les vaccins pour faire baisser les infections quand il n'y a pas assez de doses pour vacciner tout le monde. Ce n'est qu'une partie de la réponse globale qui comprend la prévention à travers des mesures de santé publique et l'amélioration de la réponse des systèmes de santé. C'est la raison pour laquelle il faut que nous fassions tout ce que nous, qui est à notre portée pour réduire la courbe de cette infection, pour sauver des vies et garantir l'accès au vaccin. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous allons passer maintenant aux questions qui nous sont arrivées et qui sont en train de nous être posées par le Q&A. N'oubliez pas de mettre votre nom. Nous avons plusieurs questions qui nous viennent de plusieurs pays liés et ces questions sont liées au vaccin et pour en mentionner Daniel Colin, Daniel Rodriguez d'Uruguay, Jacqueline Villeda de El Salvador. Nous avons également de AP et Kaylin Romero, qui est journaliste de Confidential du Nicaragua. Y a-t-il eu des progrès avec le Serum Institute of India concernant l'envoi des vaccins? Et également, comment cela pourrait-il affecter ceux qui ont besoin de la deuxième dose d'AstraZeneca? D'autres questions sont posées. Compte tenu de ce qui se passe avec le producteur d'AstraZeneca en Corée, quel est le scénario pour l'expédition d'un autre lot de vaccins à des pays tels que le Guatemala, aux Bahamas, à la Barbade, au Mexique et en Uruguay? Jacqueline Villeda nous demande, est-ce que les vaccins Moderna seront-ils expédiés en Amérique latine? Vers quel pays, quand et combien de vaccins? Et Gisèle Salmonon nous demande si les pays sont préparés pour recevoir ces vaccins de Moderna en tenant compte des exigences pour pouvoir les recevoir. Docteur Barbosa, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Merci pour ces questions. Nous allons les répondre une à une. Nous sommes en train de négocier avec le gouvernement d'Inde pour que le Serum Institute d'Inde puisse répondre au contrat qu'il a concernant le mécanisme COVAX. Le Serum Institute d'Inde s'est engagé à expédier environ 1 milliard de doses par le mécanisme COVAX. Mais à cause de la situation en Inde, le gouvernement d'Inde n'est pas en train d'autoriser encore la livraison de ceci. Il faut voir également ce qu'il y a. Nous sommes en négociation, le directeur de l'OMS et d'autres sont en négociation avec l'Inde pour essayer et faire en sorte que l'Inde autorise à expédier tout au moins une partie de la production et que le reste de la production reste en Inde pour vacciner sa population. Et ceci peut avoir des incidences, surtout dans le monde entier et également dans la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Il y a des pays qui ont des doses qui sont prévues à arriver jusqu'à la fin mai de cet institut, de ce producteur, le Serum Institute, et également dans tous les autres pays, il peut y avoir certaines implications parce que l'offre de vaccins sera réduite à travers le mécanisme COVAX pendant tout le mois de mai. C'est pour cela que ces négociations avec le gouvernement d'Inde sont très importantes pour que l'Inde puisse remettre des vaccins tout en conservant des doses de vaccins pour sa population en Inde. Les autres pays sont en train de recevoir les autres vaccins. Nous sommes
à la moitié de la deuxième vague de livraison de vaccins pour tous les pays et nous allons continuer. Il faut rappeler comment cette distribution se passe. Nous avons une liste des pays qui a été établie par des mécanismes à Genève. Que l'OMS et Gavi ont organisé ces mécanismes. Ces mécanismes sont faits par un mécanisme aléatoire. Il y a une liste des pays et nous remettons les vaccins conformément à cette liste. Il y a également une supervision pour qu'il y ait de la transparence. Nous, lorsque nous recevons la liste et nous avons les négociations déjà faites avec les producteurs, nous voulons avoir les informations exactes et à ce moment-là, nous livrons les vaccins et nous informons les pays de la date à laquelle ils recevront les vaccins. Par exemple, le Guatemala a reçu le 28 avril 322 000 vaccins, doses de vaccins et nous sommes en train de négocier avec les producteurs pour que le Guatemala ainsi que d'autres pays de la région puissent recevoir les doses qui manquent pour compléter ce qui est alloué dans la période jusqu'à la fin mai. Dans le cas du Guatemala, il y a plus de 412 000 de doses à recevoir. La dernière question au sujet de Moderna. Moderna a annoncé un accord pour remettre des vaccins à travers le mécanisme COVAX, environ 500 millions de doses, mais seulement 300 millions de doses seront livrées. Les autres 460 000 doses seront livrées lors du premier semestre de 2022. Et la plupart des pays de la région ont des conditions de recevoir les vaccins Moderna parce qu'il s'agit d'un vaccin qui nécessite d'être stocké dans des conditions de surgelées. Et beaucoup de pays sont prêts à les recevoir. Des pays d'Amérique latine et des Caraïbes vont recevoir des vaccins de Moderna et de tous les producteurs. Lorsqu'un producteur fait un accord avec COVAX et veut livrer les vaccins, on commence à distribuer. Si par exemple on a 1 million de doses disponible pour la première semaine du mois de juin, on distribue cette quantité de doses d'une manière équitable. Et ce sera la même chose pour Moderna qui va commencer à livrer, Janssen également, qui commencera probablement au mois de juillet. Tous les producteurs auront des vaccins à livrer pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Merci. Merci, docteur. Nous passons à la question suivante. Qui Belice et Cobinha de W Magazine au Portugal et de Paula Lindo de Trinidad et Tobago News Day en anglais. Quelle est la situation actuelle du nouveau virus indien dans la région de l'OPS? Et Paula Lindo dit de quelle manière est-ce que c'est important pour un gouvernement de savoir combien de cas d'un variant spécifique, un variant inquiétant est présent dans un pays? Donc, merci pour ces questions sur la veille épidémiologique dans les Amériques. Mais d'abord, j'aimerais vous fournir un petit peu un contexte et une mise à jour sur la veille génomique sur le continent américain. Je voudrais faire remarquer d'abord que les pays de cette région ont commencé il y a des années à la veille génomique pour des épidémies. Chikungunya, la fièvre jaune, Zika, et avec cette longue expérience, ça s'applique maintenant avec le COVID-19. Donc, actuellement, au jour d'aujourd'hui, 15 pays et territoires sur le continent américain ont la capacité de faire du séquençage génomique, au moins dans un laboratoire. En plusieurs pays, et on dispose de plusieurs laboratoires dans plusieurs pays pour faire le séquençage génomique. Très bientôt, 2 pays de plus vont rejoindre ce groupe de 15 pays
pour faire ce séquençage génomique. De plus, au cours des deux derniers mois, nous avons réussi à augmenter le nombre de laboratoires de référence de deux, Fiocruz au Brésil et l'Institut de santé publique au Chili. On est passé à six, donc maintenant quatre laboratoires de plus qui ont rejoint ce groupe, INDRE au Mexique, l'Institut Cologast au Panama, le CDC à Atlanta et l'Université de Trinidad de Tobago. La mission de ces laboratoires de référence est d'aider les pays qui n'ont pas atteint le niveau pour réaliser le séquençage génomique. Donc, ils traitent les échantillons. L'OPS coordonne ce réseau fourni aux pays et aux laboratoires des réactifs et couvre aussi les coûts d'expédition des échantillons de virus vers ces laboratoires de référence. Et donc, pour ce pilier important, ce axe de la réponse régionale de traitement de l'épidémie, nous recevons le soutien du CDC et de la Fondation Rockefeller. Concernant maintenant la question du Portugal, il est important de mentionner que le variant qui prédomine en Inde, qui s'appelle B1617, avec plusieurs variants que nous suivons dans ce pays, en Inde. Il n'y a qu'un rapport qui mentionne un cas du B1617 au Mexique, qui a été signalé à l'OPS à travers les canaux de régulation normaux. Il n'a pas encore été détecté dans aucun autre pays de la région des Amériques. Au Mexique, il est très important de mentionner que le traçage des contacts est en œuvre pour la recherche de ce B1617, ce seul cas de contamination par ce variant inquiétant. Pour ce qui est du groupe de travail de l'OMS sur le B1617, ça semble plus transmissible, mais il n'y a aucune preuve jusqu'à présent qui indique qu'il serait plus agressif ou plus sévère, qui provoquerait des conséquences plus sévères. Sur la deuxième question de la professionnelle de Trinidad et Tobago, il est très important de maintenir cette veille génomique coordonnée avec la veille épidémiologique pour pouvoir détecter toute augmentation inattendue ou inhabituelle de la létalité ou mortalité, parce que ça peut être associé à un variant spécifique. Toutefois, une fois que le variant est détecté dans une certaine partie du pays ou dans un pays précis et que la transmission a été établie, il n'est pas nécessaire de continuer à compter tous les cas qui correspondent au même variant. Ce qui est le plus important, c'est de suivre la proportion des variants récemment détectés dans les cas confirmés par les laboratoires. J'espère avoir répondu aux inquiétudes des deux journalistes et que vous avez fourni une actualisation sur le réseau régional pour la veille génomique dans la région des Amériques. Merci. Merci, docteur. Et la question suivante nous vient de Kerry Khan des États-Unis, qui est semblable également, et cette question est en anglais. Et aussi une question qui nous vient du Nicaragua, une autre question de Kayling Romero. Est-ce qu'on peut faire confiance aux chiffres sur la COVID-19 qui proviennent du gouvernement de Nicaragua actuellement? Est-ce que ce gouvernement a mis en place les pratiques recommandées par l'OPS? Et sinon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que l'OPS recommande au Nicaragua pour que ce pays réussisse à gérer la pandémie? Merci beaucoup pour cette question. Pour avoir une évaluation de risque globale dans le pays et la région, et en utilisant les informations de l'OPS qui sont transmises par les relations internationales d'informations fournies officiellement par les pays, nous recourons également à toutes les sources fiables d'informations. Nous cherchons les informations publiées dans les médias officiels
Et nous recourons également des informations dans les pays voisins pour analyser les tendances et les situations aux frontières. Avec tous ces éléments, nous analysons la situation, nous pouvons signaler ce qui se passe dans le pays. Comme vous le savez bien, il y a des écarts entre les rapports officiels et toutes les autres sources, mais même si l'on considère les rapports officiels, nous pouvons observer une augmentation du nombre de cas cette dernière semaine. En tout cas, il y a une tendance qui a lieu depuis quelques jours, et à ce sujet, nous travaillons avec le gouvernement nicaraguayen et ses partenaires. Nos recommandations ont été mises en place dans plusieurs endroits, pas seulement par le gouvernement, mais par ses partenaires. Et nous pensons que ce processus va aider le pays, le Nicaragua, à contrôler la pandémie, à mieux contrôler la pandémie. Donc, nous insistons pour que la détection des cas, sur la détection des cas, nous insistons aussi sur le suivi des cas, mais également sur le suivi des cas contacts, sur la mise en place de mesures de distanciation sociale et d'autres mesures de santé publique, et également de donner priorité à la vaccination des groupes les plus vulnérables. Donc, tout cela doit être... Ces mesures doivent être disponibles pour la population et pour aussi les pays étrangers qui continuent à aider le Nicaragua en donnant des vaccins. Donc, c'est un travail conjoint. Nous attendons que ce travail s'améliore au fur et à mesure que le temps passe. Maintenant, je passe la parole à Catherine Joseph de Antigua pour qu'elle pose sa question. Vous avez, Catherine. Merci de prendre ma question. Ces derniers jours, Antigua et Barbuda débat la possibilité d'obliger les vaccins contre le COVID-19. Et qu'est-ce que pense l'OPS de l'obligation de la vaccination pour atteindre l'immunité collective et proposer des tickets restaurants, par exemple, pour encourager les gens à se faire vacciner? Qu'en pensez-vous? Merci, Cadine. Professeur Barbosa. Merci, Cadine, pour cette question. L'OPS ne recommande pas l'usage de mesures obligatoires ou de tickets restaurants pour encourager les gens à se faire vacciner. Bien sûr, c'est une décision qui appartient à chaque pays, mais la mesure la plus importante pour que les gens se fassent vacciner est de fournir les bonnes informations aux communautés et aux familles. Donc, il est très important que le ministre de la Santé développe un plan de communication très global, très complet, pour atteindre tous les médecins généralistes, les infirmières, et tous les personnels de santé pour leur expliquer quels sont les avantages de la vaccination pour que les gens se fassent vacciner. Donc, quand une famille ou un individu a des doutes sur la vaccination, ils peuvent demander à son docteur ou à son infirmière et recevoir des informations cohérentes. Il est important de ne pas seulement dépendre des canaux traditionnel, mais utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, afin que l'information juste atteigne les gens. Je crois que nous pensons que c'est la meilleure manière d'encourager les gens à se faire vacciner en montrant clairement les bénéfices qu'ils peuvent en retirer et que les vaccins sont déjà en train de sauver des vies et qu'ils protègent la personne, sa famille et sa communauté. C'est une mesure très importante que tout pays devrait considéré comme une priorité dans leur plan de vaccination national. Merci. Merci, docteur. Et la question suivante nous vient de Steven Cyrilien de PGDU2 Radio à Saint-Martin. Il nous demande... Est-ce que l'OPS est contente de la gestion de la COVID-19 telle qu'elle a été mise en place dans les pays des Caraïbes pour lutter contre le virus? Merci, Monsieur Cyrilien, pour cette question concernant les Caraïbes. Les Caraïbes sont une mosaïque de populations,
de continent, une mosaïque d'économie également, mais c'est aussi une mosaïque de plusieurs manières de se transmettre le virus de la COVID-19. La situation unique des Caraïbes est que son économie dépend du tourisme et par conséquent de voyages internationaux. Nous dirions que c'est l'aspect le plus important et l'aspect le plus complexe de la réponse à apporter dans la région des Caraïbes. De même que dans tout le reste de l'Amérique du Sud et dans la plupart des pays d'Amérique centrale, la région des Caraïbes affronte une nouvelle flambée de cas. Cette flambée a commencé à la fin 2020, début 2021, après la libération des voyages, et après il y a eu l'arrivée, il y a eu aussi une augmentation des migrants venant de la région des Guyanes. Donc, il y a eu des mesures de santé publique très efficaces avec confinement, interdiction de voyager pour essayer de réduire cette courbe. Les pays ont renforcé leur système de surveillance, y compris leurs laboratoires, et presque tous les pays et les territoires ont mis en place leur propre test PCR. Beaucoup utilisent des tests antigènes qui font partie de leur stratégie. Donc, ça, c'était 2020. En 2021, tous les pays dans les Caraïbes francophones, néerlandophones et anglophones ont augmenté leur activité de réponse. Donc, vaccins originaires de plusieurs origines, accords diplomatiques, COVAX, négociations bilatérales, et certains pays progressent très rapidement dans le déploiement de leur campagne de vaccination à une population assez large, dans une partie large de la population. C'est un exemple que les pays devraient suivre. Et j'aimerais également souligner notre inquiétude particulière sur les urgences humanitaires qui a lieu en Saint-Vincent-des-Grenadines, avec une grande proportion des gens qui sont déplacés en interne à cause de l'explosion, l'irruption de la Soufrière. Les gens vivent dans des abris, sont exposés au virus de la COVID, à un risque plus élevé d'attraper ce virus. Donc, pour conclure, dans cette mosaïque de situations épidémiologiques, les pays des Caraïbes et les territoires de cette région ont fait l'expérience et ont eu accès à tous les outils pour réduire la pandémie et sauver des vies. Les mesures liées au voyage, aux mesures de santé, avec une mise en place stricte, un suivi strict avec une campagne de vaccination proactive, ça, c'est clé pour contrôler la transmission de la COVID-19 dans la région des Caraïbes. Merci. Merci, docteur. Nous avons plusieurs questions maintenant qui sont liées au Venezuela, et également de Caswin Barrios, Mariana de Barrios du Venezuela et Ariel Bastias. Ce sont des questions semblables qui nous posent des questions sur le Venezuela. Est-ce que le COVAX va envoyer, quand est-ce que ces vaccins arriveront à travers le mécanisme COVAX et si COVAX a déjà reçu le montant payé par le Venezuela? Merci pour ces questions qui nous trouvons sur le forum, mais également merci pour cette question qui est en rapport avec le COVAX. Le paiement du COVAX se fait directement à Gavi, là où l'accord est signé, et effectivement, l'OPS, lorsqu'elle achète les vaccins, elle peut recevoir le montant correspondant à ses doses. Le deuxième paiement du Venezuela qui devrait être fait à Gavi, nous n'avons pas reçu jusqu'au jour d'aujourd'hui la confirmation de ce paiement. Nous espérons que oui, ainsi le Venezuela pourrait être inclus dans l'étape suivante de la distribution des vaccins. Ceci va être analysé par le groupe de conseil et le groupe de décision COVAX et cela va dépendre
du type de vaccin et de la quantité de vaccins, et ils seront attribués au pays, parmi eux le Venezuela. Il n'y a pas de délai précis, mais l'on prévoit que ce serait à la fin du mois de juin, début juillet. Nous espérons tous que ça se fasse avant, mais nous savons tous que la production des vaccins et l'augmentation des cas dans les pays producteurs sont en train de réduire la disponibilité des vaccins qui devraient être distribués, parmi eux le Venezuela, un des pays qui, en fait, a le moins de vaccins par population. Et ainsi, nous sommes en train de faire appel à tous les acteurs pour rendre plus facile l'accès aux vaccins de la population vénézuélienne, le personnel soignant qui se trouve sur la ligne de front, ceux qui ont des comorbidités, et en même temps, à cause que les vaccins ne sont pas disponibles en quantité suffisante, mettre en œuvre des mesures de santé publique qui ont démontré leur efficacité et leur efficience pendant toute cette période de pandémie. Merci beaucoup. La question suivante nous vient de Sarah Chirping de Perix, sur ce qu'a dit la directrice sur la situation des soins intensifs, des unités de soins intensifs dans les hôpitaux en anglais. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, quels sont les pays qui soulèvent le plus d'inquiétude en termes de systèmes de santé qui sont submergés? Merci, Sarah, pour cette question. Très franchement, nous sommes soucieux nos inquiétudes par rapport à tous les pays de notre région, parce que les prévisions sont un peu difficiles. Nous avons analysé les impacts de l'épidémie de COVID-19 sur le système de santé dans 16 pays. En mars 2020, il y avait 61 406 lits de réanimation avec un taux d'occupation de 101%. En avril de cette année, le mois dernier, donc, ce pays avait augmenté ses lits d'urgence à 131 000, mais 80% de ces lits de réa étaient occupés. C'est ça le problème. Et ce n'est qu'une moyenne. Dans certains pays, il y avait plus d'un taux d'occupation de 95% ou plus en réa. Donc, malgré une expansion de la capacité d'accueil, les hôpitaux sont de nouveau pleins parce que plus de gens contractent des formes sévères de la maladie. Avec ces augmentations de patients plus jeunes et de durée d'hospitalisation plus longue dans des pays comme au Brésil, le Chili, le Paraguay et le Pérou, les besoins de lits en réa, comme je l'ai dit auparavant, sont en augmentation. Et il faut affronter cette vérité. On n'a pas seulement besoin de plus de lits, parce que chacun de ces lits a besoin d'infirmières et de médecins qui ont des notions de réanimation et d'infirmières spécialisées qui peuvent s'occuper de ces patients 24 heures sur 24. Ce sont des soins intensifs. Donc, le besoin en ressources humaines, la pression sur ce secteur est inédite. Nous ne voyons pas encore la lumière au bout du tunnel. L'oxygène médical est vital pour ces patients sévères et en état critique. À l'OPS, nous avons entrepris beaucoup d'efforts pour soutenir ces capacités. Les patients en état critique ont besoin d'oxygène. Et plus leur hospitalisation dure, plus ils ont besoin d'oxygène. Et nos hôpitaux affrontent des difficultés pour suivre cette demande croissante en oxygène. Nos pays ont réussi à doubler leur capacité de lits en réa, mais c'est pas durable, c'est pas soutenable sur la durée. Les gens dépendent d'un personnel de santé et d'un équipement adéquat et un personnel qualifié et qui ne soit pas trop sous pression. Donc, nous souffrons de l'augmentation des cas dans la plupart des pays. Mais en même temps, nous avons vu des ruptures dans les services et dans l'activité de prévention des autres maladies qui ne sont pas la COVID-19.
Donc, le niveau de soins primaires a été touché en majorité, et cela a des conséquences pour les populations vulnérables. Mais vous savez, nous ne pouvons pas céder à ces difficultés. Il nous faut soutenir les pays et pour l'achat d'équipements, la fourniture d'oxygène, la gestion de cet oxygène, le déploiement d'outils de surveillance ou de veille, de tests, en soutenant et en fournissant d'autres éléments et avec d'autres mesures. Nous soutenons aussi des pays qui veulent étendre leur capacité d'accueil en recherche, par exemple, pour les équipes d'urgence et de sites alternatifs pour les soins hospitaliers. Je vous assure que nous allons continuer à collaborer pour que des pays puissent dépasser ces obstacles. Mais les défis sont vraiment inédits. Mais nous devons traverser cette pandémie et en finir pour revenir à la normalité. Donc, nous faisons un travail qui est important. Merci, Dr. Etienne. La question suivante est de Michael Stoltz du Financial Times qui nous dit... Les États-Unis sont un partenaire important de l'OPS et le pays le plus riche de l'hémisphère, mais... Très peu de vaccins sont arrivés en Amérique latine en provenance des États-Unis. Et pourtant, quand l'Inde a traversé sa crise récente, les États-Unis ont proposé leur aide immédiatement. Qu'est-ce que les États-Unis pourraient faire pour aider l'Amérique latine et les Caraïbes à obtenir plus de vaccins maintenant? Merci pour cette question. Il est très important que les États-Unis et l'Union européenne et d'autres pays développés du reste du monde fournissent plus de soutien aux pays en développement. Je crois que c'est vraiment, ce n'est pas seulement une question de déontologie ou de morale, mais d'un point de vue de la santé publique, si nous voulons contrôler la transmission, il nous faut travailler, collaborer partout. Il faut soutenir tout pays pour qu'il puisse avoir un accès à plus de vaccins et aux médicaments afin de pouvoir répondre dans chaque pays à cette pandémie. Les États-Unis ont récemment annoncé qu'ils ont fait une donation de 2 milliards 200 millions de dollars à un mécanisme COVAX. C'est la plus grande donation à un mécanisme COVAX de la part des États-Unis. Et il existe une crise actuellement encore très forte au Brésil. Quant aux médicaments dans les unités d'urgence, et l'OPS travaille avec le gouvernement américain et le gouvernement brésilien pour faciliter des donations de la part des États-Unis au Brésil, en faveur du Brésil. Donc je crois que ce sont des premiers pas, mais notre directrice a alerté le gouvernement nord-américain en lui demandant de bien vouloir donner faire des donations de vaccins inutilisés en Amérique latine et aux Caraïbes. Je crois que c'est un geste très bienvenu, la participation des États-Unis à cette réponse. Les États-Unis sont le pays le plus riche au monde et qui dispose de nombreuses ressources. Donc, nous pensons que s'ils pouvaient faire preuve de plus de solidarité avec le pays voisin, de la région Amérique et des Caraïbes, je crois que ce sera très important, un soutien très important pour ces pays, et il nous faut accueillir toute aide qui pourrait soutenir les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Merci. Merci, docteur. La question suivante est de Kevin Fairmind de Gavia Media de Trinidad et Tobago. Il sera en anglais également, et qui décrit la situation des restrictions et demande. Depuis le début de la pandémie, est-ce que les confinements ou la fermeture d'activités commerciales a joué un rôle pour réduire la diffusion de la COVID-19? Si oui, pouvez-vous expliquer comment ça contribue à améliorer la situation? Et vu la situation dramatique en Inde, est-ce que Trinidad et Tobago, qui n'a plus de lits disponibles, de consommables, est-ce que l'OPS va aider le pays pour essayer d'affronter ce désastre? Et si oui, comment? Merci beaucoup pour cette question qui concerne la situation en Trinidad et Tobago.
Et la mission de l'OPS est d'aider les pays en temps de paix, mais également en temps de pandémie. Donc oui, nous pouvons aider. J'aimerais faire remarquer que le ministère de la Santé de Trinidad et Tobago correspond avec l'OPS tous les jours sur en utilisant les canaux normaux. Et Trinidad et Tobago a signalé un nombre accumulé de 11 400 cas et 197 morts depuis le début de la pandémie. Ce que nous avons remarqué, le ministère de la Santé nous a signalé la semaine dernière, c'est que les tendances sont à l'augmentation de façon en termes de cas et de morts, de façon dramatique. Donc, à ce moment exact de la pandémie, dans plusieurs pays des Caraïbes et dans tous les pays d'Amérique du Sud, les mesures de santé publique, y compris le confinement, sont les outils principaux pour en finir avec pour réduire cette courbe épidémiologique. Les mesures de santé publique, lorsqu'elles sont adoptées et pratiquées de façon stricte et suivies de près, exercent un impact sur le taux de reproduction de l'épidémie, et c'est la raison pour laquelle elles aideront à réduire le nombre de la proportion de cas sévères et va soulager le fardeau qui pèse sur les systèmes de professionnels de santé, y compris les services d'urgence. Mais j'aimerais également souligner les efforts et le travail ardu du ministre de la Santé pour renforcer le système de surveillance, y compris la surveillance laboratoire entre Trinidad et Tobago, y compris avec la participation de l'Université des Antilles occidentales pour la veille génomique du SARS-CoV-2. Donc, à Trinidad, il y a cette capacité de veille génomique. Comment l'OPS peut-elle aider? L'OPS a développé des outils, des mécanismes d'achat pour aider les pays qui connaissent une nouvelle flambée de transmission. Cela inclut la gestion de l'oxygène et de la chaîne de valeur de l'oxygène, l'accès aux médicaments pour l'intubation, l'oxygène, les systèmes de protection, mais aussi des directives pour la gestion des services de santé, pour les interventions pour réduire l'impact de le fardeau sur le réseau des hôpitaux. Donc l'OPS, en passant par ses bureaux pays, est complètement engagé dans l'aide au ministre de la Santé, et grâce à son quartier général à Washington, aux États-Unis. J'espère avoir répondu à l'inquiétude du journaliste de Guardian. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Katia Rojas Toro, de Destino Panama, et également de Cherson du Comercio Operi au Pérou. Donc, ils disent qu'il est probable que soient autorisés certains vaccins pour les adolescents. Cette autorisation viendrait de la part d'agences des États-Unis et d'Europe. Quelle est la position de l'OPS-OMS concernant l'immunisation des jeunes de 12 à 16 ans contre le COVID-19, Dr Barbosa? Merci de cette question. C'est positif, ceci, parce que les études sont en train de s'approfondir pour confirmer que les vaccins contre la COVID-19 peuvent être sûrs et efficaces pour les adolescents. C'est un point très positif parce que ceci signifie qu'à un moment donné, à l'avenir, lorsqu'on utilisera ces vaccins, nous aurons des données pour confirmer qu'ils sont sûrs, ces vaccins, pour ces groupes. Il est important d'abord que les autorités de réglementation disent que ces vaccins peuvent être utilisés et non pas qu'ils doivent être utilisés. Ceux qui disent que les vaccins doivent être appliqués, ce sont ceux qui font les plans de vaccination pour la population. La recommandation de l'OMS et de l'OPS est que
d'utiliser ces vaccins pour sauver des vies et pour faire en sorte que les services de soins continuent à fonctionner. Et ces vaccins peuvent être appliqués à plusieurs objectifs. Au moment dans lequel nous vivons, avec un accès limité aux vaccins, la priorité devrait être pour les soignants et les autres professionnels qui se trouvent sur la ligne de front, de sorte que les hôpitaux et les services essentiels puissent continuer à fonctionner. En deuxième lieu, sauver des vies et protéger les plus vulnérables qui ont un plus grand risque de développer une forme grave de COVID-19 et de mourir. Et les personnes âgées ou les personnes qui ont le diabète et d'autres maladies, cancer, obésité et d'autres conditions qui peuvent signifier un facteur de risque pour développer une forme sévère ou de décès. Après avoir atteint ces objectifs, on peut à ce moment-là déployer l'accès au vaccin pour pouvoir obtenir une couverture vaccinale. Par conséquent, ce sont les recommandations de l'OPS et de l'OMS. Nous ne recommandons pas d'utiliser en ce moment des vaccins pour les adolescents. D'abord parce qu'il n'y a pas de vaccin suffisante. D'abord parce que les études n'ont pas été conclues au sujet de l'efficacité et en deuxième lieu parce qu'il ne s'agit pas de groupes prioritaires. Comme l'a dit notre directrice, l'objectif est de sauver des vies et c'est pour cela que les vaccins servent. Les vaccins n'auront pas à court terme un effet sur la transmission de la COVID-19. C'est pour ça qu'il faut combiner le vaccin pour protéger avec les mesures de santé publique qui peuvent pour diminuer la vitesse de la transmission. Merci, docteur. La prochaine question en anglais est de Miami Herald, Jacqueline Sturt. Plusieurs questions. Des vaccins qui ont été distribués, quel pourcentage était acheminé aux Caraïbes et en Amérique latine? Et l'OPS a dit que 500 millions de gens ont besoin d'être vaccinés en Amérique latine et aux Caraïbes pour atteindre l'immunité de groupe. Au taux actuel de vaccination, quelle est la date estimée où on attendra cette immunité? Et finalement, quel est le statut des livraisons de vaccins en Haïti? Donc, je vais être très bref. Laissez-moi commencer par la fin. Haïti n'a pas reçu de vaccin à travers le mécanisme COVAX. Haïti a reçu 700 000 vaccins qui ont été alloués au pays, mais le gouvernement haïtien est encore en train de finaliser un accord que les autres pays ont déjà finalisé pour recevoir les vaccins. Donc, 80%. Donc, Haïti ne paye pas pour acquérir ces vaccins, mais le pays doit prendre des mesures juridiques et administratives pour notre bureau pays à Haïti, soutient le ministre de la Santé haïtien pour que tout soit prêt pour que ces vaccins arrivent. Deuxièmement, l'accès aux vaccins est très limité. Au cours du premier semestre, pour le second semestre, il y aura plus de vaccins, mais je crois que c'est trop tôt pour pouvoir être en mesure de procéder à certaines estimations pour savoir quand le pays atteindra l'immunité, les 70 à 80% de taux de vaccination dont nous pensons que cela provoque une immunité collective. Je crois que c'est encore trop tôt pour le dire. L'objectif maintenant, c'est d'obtenir le plus de vaccins pour atteindre 80% de la population, inclure non seulement les groupes les plus vulnérables pour les protéger. L'Amérique latine et les Caraïbes ont reçu jusqu'à présent à peu près 15% du total de doses que le mécanisme COVAX a déployé, mais chaque pays d'Amérique latine et des Caraïbes aura reçu d'ici la fin mai à peu près 2% suffisamment pour couvrir 2% de leur population.
comme tous les autres pays qui participent au mécanisme climat. Donc, chaque pays en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes sont en train de recevoir la même proportion, à peu près 2% pour couvrir 2% de leur population. L'exception, c'est pour les petites îles du Pacifique et des Caraïbes qui possèdent une population réduite, donc pour des raisons logistiques, ces pays reçoivent une quantité suffisante pour couvrir 15, 16, 20% de leur population. Donc, en fonction de la population et du ratio de couverture, certains pays ont demandé 27% ou 100%, mais ils ont tous reçu une proportion équivalente de vaccins. Merci, docteur. Il nous reste encore certaines questions. Nous allons nous dépasser un petit peu l'horaire prévu de quelques minutes. La prochaine question est de Mélina Ochoa. Je lui passe la parole. Mélina, si tu nous écoutes, tu peux poser ta question directement. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tu peux continuer. Merci beaucoup. Je vous salue depuis le Mexique. La ville de Mexico, j'ai un doute que nous avons la population mexicaine, c'est que le fait qu'il y a des nouveaux variants tels que le variant sud-africain ou le variant qui a été détecté en Inde, comment est-ce que la population mexicaine doit interpréter ceci? Est-ce qu'il faut redoubler les efforts appliqués concernant les mesures sanitaires ou alors est-ce que ces variants ne signifient pas quelque chose de plus fort et de plus important, docteur Alighieri? Merci, Madame Ochoa, pour votre question. Je vais commencer par une question que nous avons abordée à plusieurs reprises sur les variantes qui surgissent, le surgissement de variants. Il s'agit d'un processus normal, biologique et attendu. Bien que certains de ces variants ont démontré avoir une capacité de transmission plus importante, il n'y a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui des incidences pour déduire qu'ils peuvent être plus agressifs ou plus mortels. Jusqu'à présent, toutes les mesures de contrôle qui ont été mises en œuvre pour l'utilisation de masques, distanciation physique et la vaccination ont démontré être efficaces pour freiner la transmission de quel que soit le variant. Le Mexique a un réseau de surveillance génomique universel qui a pu détecter d'une manière opportune des variants qui circulent dans le pays et probablement vont détecter d'autres variants qui vont surgir, qui seront importés ou qui peuvent tout simplement surgir dans le pays. Le Mexique, à travers son réseau national, a la capacité de détecter, de séquencer et de comparer les variants qui circulent dans le pays avec une base de données internationale. Et si le premier variant qui a été confirmé en Grande-Bretagne, l'autre intérêt qui a été commencé au Mexique et le variant d'intérêt en Inde. Alors, la communauté internationale est en train d'être informée à travers les groupes de surveillance des pays installent. Mais je voudrais dire que d'une manière simultanée, les autorités sanitaires au Mexique ont informé dans la presse pour éviter toute panique et également pour que des mesures de prévention soient prises. On a valorisé les cas et on a vu quelles étaient les poussées qui étaient associées aux différents variants tels que le variant Interes 1 détecté en Inde. Et pour cela, on est en train de suivre les contacts pour les isoler. Il est important de dire également
que l'équipe de l'OPS au Mexique est en contact avec tout le monde, avec le secrétariat à la santé également. Et ce que l'on recommande, c'est de continuer à informer la population, de créer une campagne de prévention et quelles sont les mesures de prévention qu'il faudra appliquer. J'espère avoir répondu à votre question, Madame Ochoa. Merci, docteur. Et les dernières questions. Et la prochaine question est de Anthony Boal de Reuters. Le Brésil et les régulateurs au Brésil n'ont pas importé le vaccin Sputnik parce qu'il aurait un adénovirus répliqué, mais aucun adénovirus n'a été trouvé dans ce vaccin. Qui a raison là-dessus, ou il s'agit-il de niveau, est-ce que ces données sont fiables? Merci pour cette question, parce que ça me permet d'expliquer très brièvement quel est le rôle des autorités sanitaires et le rôle de l'OMS pour les recommandations et les autorisations de mise sur le marché de vaccins. Chaque pays a des droits souverains de procéder à l'évaluation aux médicaments et aux vaccins et d'autoriser leur distribution. Donc, l'ANVISA au Brésil et les autorités dans les Caraïbes ou au Canada ou aux États-Unis ont évalué les dossiers et ont pris leurs décisions fondées sur leur analyse et la performance. Quand ces dossiers n'ont pas besoin et ne consultent pas l'OPS ou l'OMS pour procéder à ces évaluations. Ce que nous faisons, nous, à l'OPS, est de soutenir le développement et les capacités de régulation nationale, le CP. Depuis 20 ans, nous réalisons des évaluations régulières des autorités de santé dans le continent et à partir de là, nous pouvons recommander des actions prophylactiques pour que les pays renforcent leur capacité réglementaire. L'ANVISA fait partie d'une des 8 autorités de régulation dont nous disposons dans le continent américain. Donc, ils font leur évaluation et ils fournissent leurs raisons pour étayer leurs décisions. L'OMS a une équipe pour la préqualification basée à Genève et cette équipe peut autoriser la préqualification d'un médicament ou d'un vaccin ou dans le cas de cette pandémie, octroie une autorisation d'urgence. Donc, il donne l'autorisation à l'usage de tel ou tel vaccin pendant cette pandémie. L'OPS, à travers le mécanisme COVAX, ne fournit un vaccin qui a reçu le feu vert de l'OMS. Contact d'abord avec l'équipe de préqualification et le gouvernement russe a dit que, les Russes ont dit qu'ils allaient fournir leurs informations sur Sputnik V. Donc nous pourrons nous prononcer sur ce vaccin qu'après la réponse de l'équipe de préqualification de l'OMS, après qu'ils aient reçu toutes les informations pertinentes et qu'ils aient fait leur évaluation sur la qualité de la production, la sécurité de ce vaccin et son efficacité. Donc, pour résumer, nous ne pouvons rien dire sur un état de fait que nous ne connaissons pas. Et seulement après cette évaluation de l'OMS, nous pourrons nous prononcer sur la situation du vaccin Sputnik. Merci. Merci, Dr. Barbosa. Nous arrivons à la fin de notre séance de presse aujourd'hui. La dernière question est liée au vaccin qui nous arrive en anglais. Les chiffres montrent qu'il y a des pays qui vaccinent beaucoup et d'autres n'arrivent pas à atteindre 2% de la population. Certains pays ne disposent qu'en certains vaccins. Et d'autres travailleurs ne résistent à la vaccination. Que dire à ces gens qui résistent à cette vaccination? Merci pour cette question. Je crois que nous devrions dire la chose suivante, qui est très importante. La COVID-19 possède une transmission très, très facile.
cela empire avec certains variants préoccupants et cela peut conduire à une pandémie, à des morts sur le long terme pour les jeunes. Les vaccins efficaces contre la COVID-19 existent. C'est une manière efficace de protéger les gens contre cette maladie, comme l'a dit le docteur Barbosa. Nous ne disposons malheureusement pas encore suffisamment de doses de vaccins pour couvrir toute la population de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous avons besoin de plus de doses et nous faisons un plaidoyer au plus haut niveau pour augmenter la quantité disponible de la part des fabricants, des donateurs. À l'OPS, nous voulons aider les professionnels de santé de première ligne et ils sont la priorité numéro un pour la vaccination, à notre avis, parce qu'ils sont les plus exposés d'être infectés par la COVID-19. Il existe également un risque qu'ils diffusent cette maladie à des gens comme leurs patients, leurs familles, leurs proches, avec des risques de complications et de mort. Je crois qu'il est important de noter que tous les travailleurs de la santé travaillent à un rythme acharné et dans des conditions difficiles depuis un an. Ils s'exposent, et leurs proches, pour répondre à cette pandémie. Les travailleurs de la santé sont tout à fait importants pour l'immunisation parce qu'ils constituent la source la plus fiable d'informations sur la vaccination. Par conséquent, il nous faut vraiment collaborer avec nos travailleurs de santé pour garantir qu'ils comprennent tout à fait tout ce qu'ils doivent savoir sur le vaccin contre la COVID-19 et qu'ils sont capables d'être une source d'informations. Nous exhortons à entendre les soucis des gens, les inquiétudes et à corriger toute mauvaise information ou toute perception erronée qui est diffusée et d'insister sur la sécurité que représente le vaccin et ses avantages pour la prévention de la maladie. Mais pour y arriver, il faut que les travailleurs de la santé soient convaincus, il faut qu'eux-mêmes disposent de la bonne information auprès de leur ministre de la Santé, soutenu par l'OPS. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux et avec ceux qui sont en première ligne pour la distribution des vaccins. Donc, je comprends que les gens puissent avoir des doutes sur les vaccins contre la COVID-19. Ils ont peut-être lu des choses aux actualités ou en ligne, mais pour savoir si eux ou leurs proches doivent se faire vacciner. Je comprends que les gens veuillent s'assurer qu'ils prennent la bonne décision. Et je crois que c'est, on peut faciliter les gens pour cela. Mais je voudrais en profiter pour vous répéter que le vaccin va vous protéger contre les souffrances de formes sévères de la COVID-19 ou d'en mourir. Donc, comment nous le savons, c'est que la sécurité des vaccins est notre priorité numéro un. Tous les vaccins traversent le même processus de décès, de phase, avant qu'il puisse être adopté pour la vaccination des populations dans leur ensemble. Donc, ces procédures sont faites pour garantir la sécurité des vaccins, s'il peut être efficace, et la posologie de ce vaccin. Les vaccins qui ont été approuvés par l'OMS et qui on fait l'objet d'une autorisation d'urgence, comme l'a dit le docteur Barbosa, ils sont sûrs et ils nous protègent effectivement contre la COVID-19. Bien sûr, nous avons entendu des rumeurs que les travailleurs de la santé, surtout dans les Caraïbes, sont préoccupés à cause de rumeurs qui ont circulé dans la population en général. Nous continuons à travailler, à collaborer avec les ministères de la communication, leur service de communication, pour répondre à ces inquiétudes et continuer à travailler avec les communautés de professionnels de la santé pour améliorer la distribution des vaccins. Et nous exhortons tout le monde à se faire vacciner dès que c'est leur tour et dès que les vaccins deviennent disponibles. Donc, laissez-moi terminer en vous rappelant que le meilleur vaccin, c'est celui qui est disponible et qui vous est proposé gratuitement. Nous encourageons les gens à ne pas
attendent pour votre vaccin préféré, entre guillemets, et de vous rappeler que les vaccins ne sont qu'une partie de l'effort de prévention. À ce moment précis, vu le nombre limité de doses disponibles, il nous faut nous reposer sur les autres mesures de santé publique, la distanciation sociale, le port du masque, éviter le rassemblement dans les lieux fermés. Et les pays et les autorités de santé doivent recourir à d'autres mesures comme les confinements ou d'autres mesures de restriction. Donc, il faut que nous assumions la responsabilité pour en finir avec cette pandémie. Jouons notre rôle. Merci. Merci beaucoup, docteur Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pourrez trouver plus d'informations au sujet du COVID-19 sur la page web de l'OPS et vous trouverez également les dernières informations d'épidémiologie avec l'augmentation des hospitalisations par conséquent. Et également des informations sur la livraison des vaccins à travers le mécanisme COVAX et le vaccin en général. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette séance et nous nous verrons mercredi prochain. Merci à tous.